Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, on va tester le Sika 100 Grip de chez Decathlon. Donc, c'est un couteau à émouture scandinave. On est vraiment sur un essai, en tout cas, de concurrence pour un Mora. On est dans les mêmes dimensions. Enfin, on verra tout ça dans les spécifications dimensionnelles et techniques juste après. En tout cas, il a vraiment une belle gueule, et voilà, je vais pas m'attarder plus dans l'intro, on en parlera plus lors du test. Parlons maintenant spécifications dimensionnelles et techniques. Alors, on est sur un couteau qui pèse 134 grammes avec étui, donc c'est vraiment, vraiment léger. 88 grammes sans l'étui, on est sur une longueur hors tout de 22,3 cm pour 10 cm de lame et également 10 cm de lame utile, comme vous le voyez là. Le mouture scandinave revient à ras de la garde. Et mouture scandinave, donc comme je viens de le dire, on a une largeur de lame de 2,3 cm au plus large, une épaisseur de 2,5 mm, un acier 5CR15 qui est rappelé sur la lame. On est sur une dureté de 56 HRC, donc pas grand chose pour une facilité d'aiguisage. On n'a pas de coating et le manche ainsi que l'étui sont 100% en ABS. On est sur un 3 quarts soie, donc la soie revient à peu près par là. Ce qui, en tout cas, ça donne envie d'y croire. Je vous mets une photo maintenant. Voilà, donc vous avez bien pu voir jusqu'où la soie allait. Donc bon, bah maintenant on va voir ce que ça vaut sur le terrain. Bon, voilà la gueule du couteau. Donc même l'étui qu'on peut voir derrière a été travaillé de sorte à épouser la forme. Bon, tout en plastique, ça bouge pas. La rétention, elle est vraiment sympa. Voir là, si je tiens que le couteau, bon, bien sûr ça bouge pas. Ici on a un cran, en fait il faut pousser, c'est assez compliqué et ça débloque là le cran qui frotte. Alors bien sûr à terme je pense que ça grippera moins. Pour le moment à cause de l'ABS là, donc c'est un ça grippe assez, mais sur les côtés au final enfin ça grippe et ça reste glissant comme sensation de plastique. Il est légèrement mou. Enfin, on verra pas la caméra, peut-être en bout de manche là. Bon bref, il a cette sensation d'être mou un peu. Mais du coup quand on fait là, vous avez vu, on a tendance à avoir les doigts qui rippent là sur le côté pour le sortir. Bon, on y arrive. Hein. L'étui donc avec un passant ceinture pour port vertical. Ça tient très bien, il n'y a rien à dire. On a un double retour ici pour pas que on puisse se décrocher de la ceinture. Je vais le mettre à la ceinture pour vous montrer, mais bon, bah voilà, c'est un port très simple. Le manche se retrouve vraiment au niveau du haut de la ceinture, donc on est dessous les hanches, donc pas de problème pour avoir le port qui gêne. Voilà, bon. Il a une belle gueule. Il existe en plusieurs couleurs pour ceux qui ne seraient pas fans du orange. Donc il y a le noir de sûr et il doit y avoir un kaki ou un gris, je sais plus. Mais il existe en d'autres couleurs. Bon, l'avantage du orange, c'est que celui-là, on le voit quand même mieux quand on le paume, quoi. Bien, on va voir le port à la ceinture tout de suite. Donc il suffit de venir écarter le passant. Voilà, il se clipse même sur les assez grosses ceintures. Donc comme je le disais, il tombe dessous les hanches, là je suis sur le haut du manche, donc pas de gêne. Quand on a des mouvements amples, il est presque, enfin il est caché d'ailleurs, c'est pas presque, on le voit pas. Voilà, donc un super petit couteau. L'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'enlever la ceinture. Bon, faut tirer un peu, mais hop, pour l'enlever complètement, que ça marche plutôt pas mal. Bien, on va voir tout de suite la coupe à la volée sur petite section. Alors, faut savoir que Decathlon m'ont dit que c'était pas
fait pour les coupes à la volée. Mais moi, mes tests, je les fais complets. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne tout de suite. Techniquement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Bon, le couteau est vraiment léger, donc on fera que de la petite section. C'est pas la peine de s'aventurer dans de la grosse. Ça sert à rien, c'est complètement inutile. Donc là, on va faire là-dessus et on verra si l'acier tient ses promesses ou pas. Puisqu'à 56 HRC, on reste quand même sur un acier assez. Enfin, le 5CR15, c'est quand même pas l'acier le meilleur acier du monde, donc c'est quand même un petit peu léger. Bien, on a une dragonne qui est livrée avec, ça c'est bon de le souligner, c'est rare. On a le bout de ficelle là qui est livré avec, donc on peut l'attraper au bout. La prise 3 doigts se fait assez facilement. On va voir ce que ça donne maintenant. Bien, juste après cette coupe à la volée là, donc on va regarder le fil des moutures scandinaves. Donc elle n'a pas pris un pet, et c'est quand même bon de le souligner, puisque les moras réussissent très bien ce test. Mais comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos de jus, des couteaux de la marque L par exemple, pour pas les citer, ou d'autres moutures scandinaves n'ont pas résisté à ce test. Et là, même avec un acier bon, quand même relativement bas de gamme, au final, regardez, ça n'a pas bronché. Donc je suis vraiment très très content. Voici une chouette performance pour un petit couteau. Donc, on a attaqué de la section là, qui fait bien 5 cm, même plus de la moitié de la lame. On peut voir là, bon, à peu près la moitié, c'est bon. Et ça a pas mal fait. Alors, faut savoir que c'est vraiment techniquement, faut quand même éviter. Donc, moi là, j'ai tapé sans vergogne sur le manche. Bon, a priori. Mis à part que vu que c'est du plastique mou, ça a marqué, mais sinon rien. Ça n'a pas bougé, on voit pas la soie qui s'en va. Donc ils m'ont préconisé du bâtonnage léger, et là déjà pour le gabarit de couteau, je lui ai vraiment donné quoi. On arrive à voir là suite au bâtonnage, alors vu que j'ai tapé directement là sur le plastique, vu que le plastique est mou, on peut voir là j'arrive à aplatir, du coup ça a fait un petit impact. Mais c'est pas dû à la lame qui est remontée, c'est dû à moi qui ai tapé sur le plastique, donc c'est venu s'encastrer sur la lame là.
Là, on est sur de la coupe à, du bâtonnage à plat, pardon. Donc pareil, vous voyez quand je fais ça, on voit bien clairement le couteau qui se tord. Alors, va pas falloir y aller comme une brute. C'est vraiment plutôt utilité petit couteau d'appoint. Donc ce que je fais là, clairement, c'est déjà plus que ce que le couteau devrait encaisser. Bon, les moutures scandinaves rentrent très bien dans le bois en tout cas. Bon, vu qu'on est assez court, après quand on est là, ça devient compliqué parce que pour taper la lame. Mais on devrait s'en sortir pour le grand final. En fait là ça doit casser techniquement. Voilà. Donc bon, c'est pas fait pour ça, ça peut le faire un petit peu, mais faut quand même penser à plutôt y casser à la main ou, ou à servir d'une plus grosse lame. Bien, on va avoir tout de suite les coupes en force, donc pleine main, inversée et sur le genou. Rien de spécial à dire. Bon, la prise en main est plutôt bonne. Pour les grandes mains, ça fait quand même un peu bizarre parce que quand on fait le, quand on la prend comme ça, quand on prend comme ça la lame, il en manque un peu. Que dire d'autre ? On a pas mal, c'est pas mal anguleux, donc à force c'est bon. Le plastique, vu qu'il est légèrement mou, ça joue, mais on, dans la main on sent l'angle. Par contre, le rebord sur le dessus là, il est impeccable pour toutes les petites coupes. Ou tout à l'heure quand je faisais là l'envers pour le Fire Steel, parce que j'ai mon index qui se retrouve juste derrière, donc ça appuie bien. Je trouve ça très bien. Maintenant, perfectible, c'est vrai que Mora, je prends Mora parce que là on va dire que c'est c'est vraiment un essai de grosse concurrence, il est vraiment plus agréable en main, quoi. Bien, coupe pleine main. Bon, bien sûr, on est sur des moutures scandinaves, alors le bois, bah, c'est fait pour l'avaler. Vu que c'est un petit couteau, on a très peu de bras de levier quand on le fait, en plus on a les doigts qui sont à ras de la lame. Voilà, c'est ça marche du tonnerre du dieu. Voilà, pour cette coupe rien à dire. Pour la coupe inversée, donc faut se méfier, pas mettre la main sur la lame. Donc là, encore une fois, coupe qui marche très bien, mais où je ne suis pas à l'aise. Pas à l'aise du tout, le couteau est trop petit, on est trop serré au niveau de la cage pour faire vraiment comme il faut. Maintenant, si c'est pour s'amuser à faire de la coupe extra fine, si on veut s'amuser à faire avec le bout de lame par exemple, ce qui est largement possible en inversé, on sera très bien. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de grosses coupes, je suis pas très à l'aise, et malgré tout on sent le, on sent que c'est flexible, quoi, donc on n'est pas, pour forcer, on n'est pas très à l'aise. Bien,
Après ces belles paroles, on va passer à la coupe avec le genou. Bien, coupe avec le genou. Alors, c'est un très petit couteau, donc pour le faire dépasser, c'est toujours compliqué. En plus, la lame ne fait que 2,5 mm, donc ça va rentrer dans le genou. Et pour rajouter, il est taillé à 90 ici pour gratter le fire steel sur toute la longueur, donc ça va vraiment pas être fait pour. Maintenant, si vous avez que ça, vous pouvez venir caler un peu le manche là pour que toute la lame dépasse. Mais ça va vraiment être plutôt pour affiner une coupe si vous n'êtes pas à l'aise d'une autre manière. Mais enfin voilà, c'est pas fait pour quoi. Une des choses dont on n'a pas parlé, c'est la pointe. Donc on va essayer de faire un trou. Alors vu qu'on a une émouture scandinave et une pointe vraiment acérée, ça devrait être un jeu d'enfant. D'ailleurs ça se voit, ça rentre tout de suite dans le bois. Alors vraiment un petit couteau d'appoint, pour le moment il a tout bon. On est dans l'ordre de prix des couteaux Mora. Donc on est plutôt pas mal du tout. Et avec un design qui pour le coup, alors là bon, j'ai rien contre Mora, mais je trouve que le Soloniac, pour ma part, je le trouve beaucoup plus joli, plus agressif, un look plus sympa. Bon voilà, si on est parti pour faire un trou, ça va se faire assez vite. Comme vous pouvez le voir là, ça veut bien faire la mise au point, voilà, on voit le cratère. Ça allait relativement vite. Suite au trou que j'ai fait avec la pointe, on voit clairement là le en bout de pointe là. Voilà, là vous voyez bien, ça a fait un pli sur les moutures qu'on y avait et la pointe s'est tordue. Donc c'est bien que c'est quand même un peu trop mou. Bon, ça se rattrape assez facilement, mais la pointe tellement acérée que ben elle n'a pas du tout apprécié ce que je lui ai fait. Alors le fil assez solide pour les petites branches, mais par contre la pointe trop fine pour piocher comme un taré comme j'ai fait un peu. Bien, on a fait la sardine, malheureusement on n'a pas de talon dépassant sur ce couteau, donc là c'est du plastique, donc on va pas pouvoir, sinon on va flinguer le manche. Donc bon, ça c'est un des petits désavantages, mais comme je disais, c'est un couteau d'appoint, techniquement il n'est pas fait pour faire des grosses tâches, et planter les sardines c'est plutôt pour les couteaux qui vont jamais casser quand on va le faire. Donc là, bon, petit point noir, mais en même temps, vu le couteau, c'est logique. Bien, donc on va faire le test de perte de motricité fine. En même temps, on va faire le test bien sûr dans l'eau que je fais à chaque fois. Alors le couteau cité à 100, D4, c'est un acier inoxydable. Donc on va pouvoir le nettoyer dans l'eau. Qui est vraiment plutôt bien. Là pour nos sorties, on y est souvent sujet. Le manche en grippe ne craint rien. Alors l'ABS dans l'eau est... ressort pas très glissant, au contraire il a tendance à draper plus. Maintenant on va laisser les mains dans l'eau pour avoir cette fameuse perte, avoir les gestes fins plus accessibles et voir si le couteau reste maniable. Bon, pour le moment j'ai peu ou pas de couteaux qui n'ont pas réussi ce test. Par contre voilà, on peut pas faire de la sculpture une fois qu'on a les mains qui sont gelées. Alors là on est au milieu de l'été. L'eau elle est quand même moins froide, mais ça reste la fonte des neiges comme je le dis toujours. Chez nous on a les montagnes aux alentours qui montent à 3000 pas loin. Donc là j'ai quand même bien froid aux doigts. On va pouvoir passer au test. Donc de prime abord avec les angles c'est pas très agréable. Par contre voilà, le couteau reste très maniable. Il glisse pas du tout. Voilà. Aucun problème avec ce couteau. Bien, conclusion sur ce petit couteau de chez Soloniac, de chez Decathlon donc. C'est un couteau que j'ai bien aimé. J'ai adoré. J'ai été vraiment deg quand ça a tordu un peu la pointe, mais... Et la pointe elle est vraiment ultra fine, donc c'est un peu logique.
Bon, c'est la preuve quand même que la cire reste relativement mou, donc ce sera plus facile de l'aiguiser, mais il faudra l'aiguiser plus souvent. C'est ce que j'avais déjà dit pour le Sika 130 de la gamme Resistant Gear, qu'ils ont sorti Decathlon pour concurrencer d'autres marques aussi. Très bien, franchement, presque que des points positifs. L'étui très bien fait, j'ai oublié de souligner qu'il y a le petit trou là, vu qu'on a fait le test dans l'eau pour évacuer l'eau. Bon voilà, pour le prix qui coûte, il n'y a vraiment rien à redire. Après, c'est sûr que si on mettrait 30 balles dans un couteau comme ça, ça vaudrait pas le coup. Mais là il fait 9,90€, je crois. Donc, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Surtout que je pense que pour 90% d'entre vous, vous n'allez pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire vous n'allez pas bâtonner, machin. Il va juste servir à faire un peu des coupes du bois et après pour la cuisine. Donc super couteau, super lame, merci Decat, c'est vraiment sympa. Franchement, j'ai trouvé que le couteau était génial. Ça fait deux couteaux que je teste qu'ils ont sorti là en 2 ans et c'est un régal. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir des couteaux très chers pour plaire. Il y en a qui me disent ouais, l'acier 5-15 c'est une merde. Ouais, vous pensez ce que vous voulez, c'est vrai qu'on va l'affûter plus souvent. Mais enfin, il y a quelques années, les standards en coutellerie, c'était pas 60 HRC. Hein. Avant, on avait un 55 HRC, c'était très bien, et quand on avait 52, c'était potable. Là, on est à 56 déjà. Donc ça veut dire qu'on est sur un acier plus dur qu'il y a quelques années en coutellerie. Donc voilà, très bien, je suis très content de ce couteau, très polyvalent, très fonctionnel, et joli. Faut quand même le préciser. Moi, il me plaît beaucoup plus qu'un Mora à la gueule. Donc voilà. Tout très bien. Merci, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des likes si vous aimez, parce que c'est assez important pour le référencement. Et voilà, et là maintenant vous pouvez cliquer soit ici pour d'autres tests en vidéo. Et ici pour s'abonner. Allez, à ciao, bye bye.